Bienvenue sur ce quiz de culture générale. À chaque question, vous avez 10 secondes pour trouver la bonne réponse parmi les 4 propositions. Vous marquez un point par bonne réponse. Vous pouvez jouer seul ou à plusieurs. 3, 2, 1, c'est parti! Pour commencer le quiz le plus facile du monde, à quel pays ce drapeau est-il associé? Quelle est la devise de la République française? Quel est le résultat de l'opération 25+15? Quel artiste a peint le tableau de la Joconde? Qui est le roi des dieux dans la mythologie grecque? Quel aliment doit-on chauffer pour obtenir du caramel? Quel animal fait face à la fourmi dans la toute première fable de Jean de La Fontaine? Quel est le point faible d'Achille? On parle de talon d'Achille pour mettre en avant une faiblesse fatale, qui en dépit d'une grande force générale peut mener à la perte. Quelle est la capitale de l'Allemagne? Quel jour de la semaine est par tradition le jour du poisson? Quelle danse espagnole correspond à cette photo? Le flamenco trouve ses origines en Andalousie au XVIIIe siècle. Qui est le réalisateur du film Titanic de 1998? Comment s'appelle le mâle de la chèvre? Quelle date de l'année 1789 correspond à la prise de la Bastille?
Quel est le nom de l'hormone sexuelle masculine ? Dans quel pays peut-on observer ce bâtiment à l'architecture unique ? Il s'agit de l'Opéra de Sydney. Son architecture originale a été imaginée par le Danois Jørn Utzon. À quel auteur français doit-on le roman Notre-Dame de Paris avec le personnage de Quasimodo ? Notre-Dame de Paris est un roman historique de l'écrivain français Victor Hugo qui a été publié en 1831. Quel homme d'affaires milliardaire a été élu président des États-Unis en 2017 ? Quelle recette de thé est considérée comme la boisson nationale du Maroc ? Le thé à la menthe est une boisson chaude originaire du Maghreb, réalisée à partir de feuilles de thé vert et de feuilles de menthe. Qui est l'auteur du conte Le Petit Prince ? Antoine de Saint-Exupéry a rédigé la nouvelle du Petit Prince en 1943. D'après l'expression, où tous les chemins mènent-ils ? Quel quartier de New York est mondialement connu pour ses comédies musicales ? Combien de faces un cube possède-t-il ? De quel groupe de rock le film Bohemian Rhapsody retrace-t-il l'évolution ? Qui est le saint patron des amoureux ? Quel animal s'écrit en anglais par le mot « fox » ? Quel artiste a réalisé la célèbre peinture « Les tournesols » ? Quelle est la capitale de la Chine ? À votre avis, quel est le nom de cet oiseau sur la photo ?
Et pour conclure ce quiz, pour la religion chrétienne, que commémore-t-on le jour de Noël ? Le quiz est terminé. À très vite pour un nouveau quiz vidéo ou rendez-vous sur culturequiz.com.